صارما وصل الغاني واعتزل ذكر الغاني وارمي بالبيض الحسان واسلم مختوم الجنان والملائي والملائي Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa tassalam wa ba'd. Il ne nous reste que quelques 20 minutes. On va finir à 18h30. Inch'Allah. Alors donc, nous sommes aujourd'hui le dernier jour du mois de Ramadan, ou bien l'avant-dernier jour du mois de Ramadan. Alors il se peut que demain soit la fête de l'Eid al-Fitr, ou bien après-demain, de l'an 2024. Nous prions Allah qu'il agrée nos jeûnes et nos dévotions. Alors ceci étant, nous avions entamé depuis quelques deux jours l'interprétation ou bien le commentaire sur un poème de Baïnès qu'on appelle « Sari man wasla al-Ghawani » et nous avons atteint le vers « Wa huwa da'i wa dawa'i kadbarani wa shafani » Alors donc, Cheikh Baïnès, il est en train d'expliquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il représente pour nous. Quand il a dit « Wa huwa da'i wa dawa'i » ce prophète-là, il est ma maladie et mon remède. S'il est malade, c'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est malade. Et s'il est guéri également, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le guérit. C'est-à-dire son tout est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son état de santé et son état de maladie n'est rien d'autre que son amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laytahu al-waqta habani waslahu fahuwa kafani. J'aurais souhaité que le temps me permette de continuer à l'aimer éternellement et de rester à ses côtés waslahu fahuwa kafani, parce que ce prophète là il me suffit largement. Quand je l'ai à mes côtés, je n'ai besoin de rien. Da'u shawki kull waqtin. Alors le remède de cette émotion que j'ai là à tout moment, alors cet amour là, cette émotion là à tout moment est en parfaite annulation, augmentation vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nafsi wa hawani. Il est également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mon objet de petitesse. Quand je me rends petit devant quelqu'un, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hawani, il est aussi ma faiblesse. Quand je suis faible devant quelque chose, c'est devant lui. Et quand on dit ça, on se rappelle de quelque chose qui s'est passé. Mafkhari, il est toute ma fierté. Le jardin de mon paradis. On va commenter ça un peu. Baïnès, c'est qu'il dit que ma faiblesse, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu veux qu'il te donne quelque chose, même s'il dit qu'il ne veut pas, dès l'instant que tu dis fais à cause du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement tu as atteint sa faiblesse. Il avait un de ses fils qui devait envoyer en Mauritanie. Ce fils a refusé. Il a fui, il allait monter sur un arbre. Baïnès a envoyé un de ses fils, qu'on appelle Mokhtar, père à son âme. Mokhtar, là, c'est un fils de Baï. Quand Baï dit va, lui, il n'entend plus rien. Ce que Baï lui a dit de faire, c'est ce qu'il va faire. Tout le monde avait peur de lui. Parce que lui, quand Baï dit va, il n'entend plus, il ne voit plus. Baï dit va l'amener à la maison ici. On va l'envoyer en Mauritanie, forcément. Alors que lui, il n'aimait pas la Mauritanie. Il disait qu'en Mauritanie, il y a la faim, il y a tout ça. Alors donc, quand ils sont allés le monter sur l'arbre, il disait aux gens, il dit non, dites à Baïnès qu'à cause de son amour pour le prophète Mohamed, là, je lui demande de me laisser. Ils sont allés à Baïnès. Mais il dit, donc, il sait que j'aime le prophète Mohamed. Hein? Il dit, non, l'enfant là même sait que j'aime le prophète. Il dit, laissez-le. Wow. On l'a plus envoyé en Mauritanie à cause de ça seulement. Wow. Donc Baïnès, c'est sa faiblesse, l'amour du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ma baqali min baqai min gharami wa hanani. Je l'ai tellement aimé que rien d'autre ne m'est resté en termes d'amour. C'est-à-dire, tout mon amour là, j'ai tout donné au prophète. Il n'y a rien qui reste encore que je puisse donner à quelqu'un d'autre. Mais nous aussi, ma douceur. Mon amour et ma douceur là, c'est avec lui que je suis doux, c'est avec lui que je suis en émotion. Tout ça là, il a tout pris à tel point que rien ne me reste. Abedira m'en fout de ma tout le monde. Wazafiri wa bukai wa arani la arani. Mon inspiration, qui est mon souffle, lui appartient.
Quand je pleure, c'est à cause de lui que je pleure. Et tout cela, je le fais wa arani, la arani. Je l'ai tellement aimé que je vois que moi-même, je ne suis plus moi-même. Mon être même est devenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La imi farisin lihali. Oh, toi qui passes le temps à me blâmer, parce que lihali, il faut avoir pitié de ma situation. Il ne faut pas me blâmer. Ce qui m'arrive là est trop plus fort que moi. Je ne peux rien, ça m'a possédé entièrement. Il est facile lihali. C'est où? Kadahali, madahali. Moi-même, ce qui m'arrivait là, ça m'étonne. C'est plus fort que moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, il faut avoir pitié de moi. Ne me dis pas de durer cette maladie-là, qui est l'amour du professeur Salaman, parce que je ne peux pas. Ça m'a tellement envahi que moi-même, je suis dans le désarroi, je ne sais plus quoi faire. Kam khalilin kadjafani. Alors, combien d'amis m'ont trahi à cause de cet amour-là? Les gharami wa ramani. Par rapport à cet amour, et ils m'ont traité de tout. Ramouni bi zandaka, ramouni bi djounoun. Ils m'ont traité de tout à cause de cet amour-là. Et j'ai accepté. Rubbasinwin kuntu arju waslahu summa jafani. Il dit même, quelques-uns parmi mes frères, dont j'espérais beaucoup en eux, waslahu summa jafani, même ceux-là, que j'espérais leur union, même ceux-là même m'ont trahi. Et en réalité, il y avait quelques-uns de ses frères qui l'aimaient bien, qui ceux-là, ils pensaient qu'ils avaient compris. Mais même ceux-là, quand Bagnès a commencé à annoncer les grandes choses vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même ceux-là même l'ont abandonné. Wanahani walahani. Alors ces personnes-là, non seulement ils m'ont empêché, mais ils m'ont lahani aï lamani. Toutes ces personnes-là, ils m'ont abandonné, mais ils m'ont blâmé. Washajani wanafani. Et ils m'ont éloigné même de ma ville. Et ils ont causé le chagrin dans mon cœur. Ils m'ont éloigné. Tu sais, avant, chez les Arabes, quand quelqu'un faisait quelque chose qui est mauvais, on l'éloigne de la ville. Mais même tous ceux-là étaient d'accord qu'on ne l'en baigne. Et ils l'ont ignoré en tant que tel. Laysa lil yawma khalilun ghayra ma minka atani. À tel point qu'aujourd'hui, là, je n'ai plus d'amis. Sauf celui-là qui t'a aimé. Et par son amour, il est venu vers moi. Celui-là, s'il aime vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il peut me comprendre et peut-être mon ami. Mais en dehors de ça, je n'ai plus d'amis, je n'ai plus de frères. Ghayru haza kad kalani azilan li kulla'ani. Ghayru haza kad kalani. En dehors de cela, et tous, ils se sont débarrassés de moi. Ils se sont éloignés de moi. Azilan li. Et ils se sont mis à l'écart kullahini à tout moment. مزقوا جلدي جهارا اخرجوني من مكاني تحت في تحت مزقوا جلدي جهارا. Alors ils m'ont blessé, c'est-à-dire parce que quand ça a commencé, ils ont commencé à le lapider, donc ça a déchiré même sa peau, donc ils m'ont blessé. مزقوا جلدي جهارا, et ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde. Akhrajouni min makani. Alors, la maison de mon père, qui est ma maison là, de là-bas ils m'ont chassé. Ils ont trouvé que j'étais trop excessif. Il y en a qui ont trouvé que j'étais fou. Et par rapport à tout ça là, ils m'ont chassé et ils m'ont éloigné. Duna zanbin ghayra anni hubbu Taha fi jinani. Tout ça ils l'ont fait pas parce que j'ai commis un péché, mais seulement parce que l'amour de Taha, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a rempli mon cœur. 67, ok. Wa'ara law mazakouni. Wa'ara law mazakouni bimawasin bimawadil hindiwani. Alors, je vois, moi, je pense que même s'il venait déchirer toute ma chair bimawadil hindiwani avec des épées qui viennent de l'Inde, parce qu'avant, les Arabes, les meilleures épées venaient de l'Inde. Ce sont les épées que tu peux aller en guerre avec, ça, ça ne se casse pas. Alors, il y a d'autres épées. On avait le guerrier,
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khalid ibn Walid, souvent il sortait en guerre, il y a des épées qui se cassaient de sa main. Il peut aller avec deux ou trois épées, tellement qu'il est dedans. Bamburu de tigre, avec carré. Mais au Waratila, là, Bamburu Moutoukaï, qui était de bonne qualité, ou de Bamburu Moubo et du Jamalana. Et donc, même s'il me déchira avec des épées qui sont solides, mintechi, il dit Warala Mazakouni Mouadi Hundouani, Warani, Warani, Nasto Ulfa, Ta Iban Marra Awani. Que je vois que même s'il me déchira avec ce type d'épée-là, moi là, je ne vais jamais me repentir de cet amour-là. Maral Awani, aussi longtemps que je vivrai. Lam yanalu ma aradu qad mada zu wa wa kafani. Alors, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Ce qu'ils voulaient, là, c'est de m'éloigner de mon amour, des émotions que j'avais vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ils n'ont pas pu l'atteindre. Qad mada za wa kafani. Et tout ça l'est passé. Alleluni jirati min zikri man yatlu al-masani. Alors, alleluni jirati. Ils m'ont traité de quelqu'un qui est malade, qui est fou. Mes voisins, ce sont ceux-là qui m'ont traité comme ça. Hein? Ils ont fait cela parce que je passais le temps à me souvenir de celui-là qui dit les sept répétitions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors moi, je demande au monde de me rappeler son souvenir. De répéter son souvenir parce que c'est ce que je veux, c'est l'objet même de ma vie. Hina safali wa hamali, parce qu'en réalité, il est celui-là qui m'a purifié et qui m'a protégé. Wa kafani tara hubban lastu adri man qalani. Alors, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me suffit largement. Je ne sais même pas celui qui s'est débarrassé de moi ou qui s'est éloigné de moi. J'avais dit, je m'en fous de tout cela si j'ai l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. لست اخشى كيد اعداء ولا جور الزمان. Alors je suis dans une dimension où je n'ai peur aucunement de la ruse des ennemis, ولا جور الزمان, ou bien des différents changements de l'espace et le temps. Souvent tu es pauvre, souvent tu es malade. Moi tout ça ne m'effraie pas. Et j'ai pas peur des ennemis aussi. Alors donc quand je suis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que mon devenir demain là, que ça soit bon ou mauvais, ça ne me dit rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me suffit. Famakani fi zamani wa zamani fi makani. Alors ça c'est une parole forte. Parce que ar-rajulu iza sawa innahu al-zamanu wal makanu, yani annahu balagha al-quswa fi al-ma'rifa. C'est-à-dire que le temps et l'espace m'est égal. Et quand je disais, Fama Kani, mon temps égal à mon espace égal à mon temps. Chez les soufis, le temps ramène à une réalité et l'espace ramène à une autre réalité. Si tu comprends très bien ce que ça veut dire, tu vas comprendre que le temps là, c'est ça qui est l'espace et l'espace, c'est ça qui est le temps, mais à des différents degrés de manifestation. Tu peux penser comme ça que la sainteté, c'est le temps. Et la prophétie, c'est l'espace. C'est une manière que je donne comme ça. Je n'ai pas dit que c'est ça, hein, mais ça donne à réfléchir un peu là-dessus. Donc, pour moi, là, vous êtes en train de faire des choses dans l'espace et le temps. Vous ne connaissez même pas la source de l'espace et le temps. Moi, je connais ça. C'est-à-dire, l'espace que vous êtes en train d'utiliser là, si vous savez son sens profond là, vous allez savoir que le temps ne peut rien faire contre moi et l'espace également aussi ne peut rien faire contre moi. Parce que le temps même, l'espace même, c'est une grande dimension spirituelle, mais qui a besoin d'être développée davantage, inshallah. Alors, la salat de Dieu et sa paix fi tasarif al-awani sont là en train d'être changé au fur et à mesure que le temps va changer sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela va provenir de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala et se diriger vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi longtemps que le prophète Mohammed va me suffire. Summa alim wa sahabi sarimu wasl al-ghawani. Alors donc également cette salat là de Dieu va continuer aux membres de famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa sihabin, sans oublier son noble compagnon
Saramu waslal gawani, ceux-là qui se sont coupés de toute chose qui les détourne de Dieu, qu'on a symbolisé par la belle femme qui n'a besoin de rien pour confirmer sa beauté. Alors que lui-même, il a commencé ce poème-là avec Saramu waslal gawani. Donc maintenant, il dit Saramu waslal gawani, parlant de son compagnon. Et tous ont atteint cette dimension spirituelle parce que eux également, ils se sont détournés du monde et tout ce qui peut causer de la distraction pour eux, afin de se cramponner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour finalement avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà un mot. Iddat asila. Hein? Soal min. Ok, bismillah. Min man al mufradat. Aisu yakul wa malahi wal magani min kirani aw mabani. Wal malahi wal magani. Min kiranin aw mabani. وارمي بيد الهسان وصل مقطوم الدنان والملاهي والمغاني من كيران او مباني لمن ملاهي ce sont tous les endroits de lahou où les gens vont boire, les gens vont chanter, les gens vont juste pour oublier les chagrins. Tu sais, aujourd'hui c'est, on le voit de plus en plus, il y a des clubs de reggae, les gens vont là-bas pour écouter, il y a des clubs de zouglou, les gens vont là-bas pour passer le temps à écouter les zouglou. Tout ça considéré comme mahalat al-lahwi. Donc tout ça, malahi. Wal-maghani, aussi ce sont les endroits où les gens vont écouter des chansons. Parmi, par les temps passés, les Arabes avaient des endroits où ils vont, des belles femmes viennent chanter, tout ça là. Ils vont là-bas pour passer le temps. Alors, wal-malahi, wal-maghani, min kiranin aw mabani, parmi les espaces où on utilise ça là. Al-kiran huna qila innahu yal makan aidan. Wal-mabani, il y a Eden Makan. Mais ce sont les styles de langue arabe. Souvent, on utilise la même chose à cause d'une petite différence qui est subtile dedans pour exprimer seulement parmi les lieux où on va faire oublier ses chagrins, où on va chanter, où on va boire, où on va danser. Tout ça là, c'est ce qu'il a dit. Kulluzi waika sarabu. Tout ça n'est que mirage. Tout ça n'est que mirage. Wadhiru handil ma'ani. Cherche le véritable esprit pour ton cœur. Et cet esprit-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il a dit en bas. Aïnouha in haqqu haqqin taliyan sab'al masani. Alors tout ça là, ce sont des choses qui distraient, qu'il a commencé à énumérer. Dunia, les belles femmes, les endroits où on va boire, les endroits où on va écouter la musique, les endroits, tout ça là, waika sarabu, n'est rien d'autre que le mirage. Parce qu'en réalité, ça n'existe pas pour le cœur sain qui veut Allah subhanahu wa ta'ala. Amma waslu maqtum ad-dinan. Waslu maqtum ad-dinan. Ad-dinan, tarif huwa jam'u ad-din. Le bouchon qui ferme la boisson là. Quand tu vas prendre un whisky là, je ne sais pas s'il y a des anciens buveurs de whisky ici. Non, il n'y en a pas. Voilà, le bouchon qu'on enlève là, c'est ça qui est dinan. Donc, ce jam'u, c'est dinan. Avant, c'était des gros fûts. On ferme ça avec le bouchon. Quand ça permet à la boisson d'être bien fermentée. Parce que quand il y a l'air qui rentre dedans, c'est de plus fermenté. Donc le bouchon, c'est ce qu'on appelle dinou. Et quand c'est scellé, on appelle ça martou madinan. C'était bien scellé. Il dit waslu ay ikta martou madinan pour ceux-là qui vont boire la bière. Non. شان مفهوم صفات ذات حق رتبة ليست لذلك فهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان برزت حضرة الله قبل تكوين المكان إنني قبل الغاية حبه شغل الشجر.